Bon, c'est la même chose là. Alors, je voudrais demander à tout le monde de bien vouloir prendre place. Parce que d'un instant à l'autre, la célébration va pouvoir commencer. Et je vous prie, si c'était nécessaire de le rappeler, de mettre vos téléphones sur le silencieux, la vibration, les éteindre tranquillement, pour que ça ne vous dérange pas pendant la célébration. Et je voudrais vous demander aussi, nous avons un service de télévision, et puis on parlera des images. Nous avons un photographe et les images vont être disponibles plus tard. Fait que vous n'avez pas besoin de vous lever ou de bouger pour prendre des photos avec vos cellulaires ou vos appareils. Tout sera fourni plus tard. Alors, dans la minute qui suit, si vous voulez vraiment un peu entrer dans un climat d'intériorité pour commencer à préparer à cette célébration.
et nous sommes dans la joie. L'ordination épiscopale dans une église diocésaine est très importante et est appelée à être un événement de l'Église. La liturgie de ce jour est présidée par Mgr Denis Grondin, archevêque métropolitain de Rimouski, qui est assisté de Mgr Gaëtan Proux et de Mgr Christian Rodembourg. La présence de plusieurs autres évêques de notre pays, dont notamment le nonce apostolique au Canada, Mgr Ivan Yurkevich, manifeste bien que le nouvel évêque est accueilli dans un corps épiscopal. Welcome to this celebration, during which the Most Reverend Claude Lamoureux will be ordained bishop and will take office as the 10th bishop of Gaspé, our church on the Gaspé coast and the Magdalen Islands. The Lord gives a pastor to his people who live here. Episcopal ordination in a diocesan church is very important and will be an event of the church. Today's liturgy is presided over by the Most Reverend Denis Grondin, Metropolitan Archbishop of Rimouski, who is assisted by Bishop Gaëtan Proux and Bishop Christian Rodembourg. The presence of several other bishops of our country, including the Apostolic Nuncio to Canada, Archbishop Ivan Yurkevich, clearly demonstrates that the new bishop is welcomed into an episcopal body. Cet événement nous remplit de joie, et c'est dans la foi que nous célébrons. Levons-nous et entrons en célébration.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Chester Cotton, prêtre du diocèse de Gaspé, présente Claude Lamoureux et demande à Mgr Denis Grondin, archevêque de Rimouski, de l'ordonner évêque pour le diocèse de Gaspé. Deux autres prêtres accompagnent l'ordinant, à savoir les abbés Moïse Adécambi, prêtre au diocèse de Gaspé, et l'abbé Jacques Lamoureux, frère de l'ordinant. Sœur Anne Chi accompagne aussi l'ordinant pour manifester la participation et l'importance des femmes et de la vie consacrée dans la vie de l'Église. Merci, Abbé Chester. Vous devez avoir reçu du siège apostolique la lettre qui le désigne pour cette charge. Qu'on en fasse la lecture maintenant. François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à notre fils bien-aimé Claude Lamoureux, du clergé de Saint-Hyacinthe et jusqu'à présent vicaire général du même diocèse, élu évêque de Gaspé, salut et bénédiction apostolique. Il a plu à Dieu de placer dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, puis les dons, de sorte que tous et chacun constituent réellement le corps du Christ et ses membres, chacun pour sa part, et que, si un membre est glorifié, tous partagent sa joie par la puissance de la charité suprême. Fortifié par cette mission, alors que nous souhaitons vraiment le salut des âmes et le bien des fidèles du Christ partout dans le monde, nous désirons pourvoir à celui du diocèse de Gaspé qui, suite à la démission de notre vénérable frère Gaëtan Pro, OSM, attend son propre pasteur. Nous avons jugé bon de te confier cette charge, fils bien-aimé. Toi qui t'es montré pourvu de zèle et de foi, de comportements religieux et de qualités humaines et sacerdotales pour guider adéquatement cette communauté. Ainsi,
après avoir entendu l'avis du dicastère pour les évêques, dans la plénitude de notre autorité apostolique, nous te nommons évêque de Gaspé, avec les droits requis et les obligations relatives à cet office. Tu pourras recevoir l'ordination épiscopale de tout évêque catholique, n'importe où, en dehors de Rome, conformément aux normes liturgiques. Auparavant, tu prononceras ta profession de foi ainsi que le serment de fidélité envers nous-mêmes et nos successeurs selon les normes du droit canonique. Nous voulons que tu fasses connaître notre décret aux fidèles de ce diocèse qui verront en toi un père à aimer, un maître à écouter et un gardien à vénérer. Nous prions le Seigneur, Fils bien-aimé, d'accorder à cette communauté ecclésiale, stimulée par l'exemple de ta sollicitude, de faire le bien aux pauvres, honorant tout le monde et aimant la fraternité. Donnez à Rome, au Latran, le 23 février de l'an du Seigneur 2023, dixième de notre pontificat, signé François Franco Piva, protonotaire apostolique. Seigneur Dieu, toi qui par le seul don de ta grâce incomparable peux mettre aujourd'hui à la tête de l'Église à Gaspé ton serviteur Claude, accorde-lui d'accomplir fidèlement la charge épiscopale et donne-lui de guider par la parole et par l'exemple le peuple qui lui est confié en se laissant conduire par toi en toutes choses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Trust in him, and he will direct your way. Keep his fear and grow old therein. You who fear the Lord, wait for his mercy. Turn not away, lest you fall. You who fear the Lord, trust him, and your reward will be not lost. You who fear the Lord, hope for good things and lasting joy and mercy. You who fear the Lord, and your heart will be enlightened. You who love him. Study the generation long past and understand, has anyone hoped in the Lord and been disappointed? Has anyone persevered in his commandments and been forsaken? Has anyone called upon him and been rebuffed? Compassionate and merciful is the Lord. He forgives sins, he saves in time of trouble, and he is a protector in all who seek him in truth. The word of the Lord. Thank you.
Lecture de la lettre à Tite. Fils bien-aimé, le jour où apparurent la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes, il ne s'est pas occupé des œuvres de justice que nous avions pu accomplir, mais, poussé par sa seule miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la régénération et de la rénovation en l'Esprit Saint. Et cet Esprit, il l'a répandu sur nous à profusion par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l'héritage de la vie éternelle. Elle est sûre, cette parole, et je tiens à ce que sur ce point, tu sois catégorique, afin que ceux qui ont placé leur foi en Dieu aient à cœur d'exceller dans la pratique du bien. Voilà qui est bon et utile aux hommes. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta à ses disciples au bord du lac. Après le repas, il dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout.
Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Acclamons la parole de Dieu. Saluons Monseigneur Jurkevic, nonce apostolique, et aussi vous tous de Saint-Hyacinthe, membres de congrégation, prêtres, évêques. Bienvenue, gens de la Gaspésie aussi, des différentes régions. Hein. On a fait la route, mais ça vaut la peine aujourd'hui. C'est un grand moment dans l'histoire de l'Église du diocèse de Gaspé, les îles de la Madeleine. En commençant cette homélie, je tiens à saluer fraternellement Monseigneur Bertrand Blanchette, hein, évêque émérite, sixième évêque de Gaspé. Monseigneur Blanchette, qui a aimé et servi l'Église au diocèse ici près de 20 ans, alors qu'il y avait 75 prêtres incardinés, dont 12 collaborateurs retraités, qui contribuèrent à accompagner la foi du peuple de Dieu, puis en même temps à se laisser évangéliser avec chaque baptisé, apportant le Christ par les sacrements, la parole annoncée, la charité stimulée. Hein. Monseigneur Blanchette soulignera le 8 décembre 50 ans d'épiscopat. Oh, ouf! Ça va donner le vertige à Monseigneur Claude. La route est belle, même quand elle est longue. Je tiens à remercier spécialement Monseigneur Gaëtan Proulx. Hein. Nous avons été ordonnés évêques ensemble il y a près de 12 ans à Saint-Anne-de-Beaupré. Hein. Monseigneur Proulx, qui a été un bon berger proche, qui s'est dépensé pour connaître, aimer son peuple, le faire aimer, pour aimer le Seigneur avec son peuple et le faire aimer. Il a contribué à travailler, bien sûr, l'unité entre les prêtres gaspésiens, les prêtres fidei donum. Hein, c'était un temps de changement depuis ces dernières années, pour que tous découvrent la joie de marcher ensemble dans la mission, pour ne pas dire de ramer ensemble, parfois quand les vents sont contraires, mais ramer ensemble, chercher la volonté du Seigneur. Monseigneur a su rester à la proue, sans doute, parce que sa devise est « Ma grâce te suffit hein? ». Donc, sous le vent de la grâce de Dieu qui nous précède, qui nous emporte, qui nous relève, et qui fait qu'ensemble, on est toujours victorieux avec le Christ. C'est sa promesse jusqu'à la fin. Si le portrait des équipes pastorales a bien changé depuis 20 ans, que de reconnaissance pour tous ceux et celles qui, par leur charisme, leur engagement, ont permis au bon vent de l'Esprit d'entraîner des témoignages de vie donnée, de vie évangélique, engagée, consacrée, de vie de foi, d'espérance,
en rebondissant dans bien des épreuves. Et c'est souvent cela, être le pasteur au milieu de toute cette vie, dans toutes ces dimensions, où Dieu veut nous faire grandir personnellement, mais ensemble, comme corps. L'Église est un corps. Et aujourd'hui, il n'y a plus de distance entre Saint-Hyacinthe et Gaspé. Et l'ensemble du Québec, de tous les diocèses, par nos confrères, et aussi proximité avec l'Église anglicane. Monseigneur Bruce est ici. Et il y a aussi notre pasteur, Cynthia, je pense. Bienvenue. Monseigneur Claude, vous avez été appelé à servir comme 10e évêque de Gaspé-les-Îles près de la fête de la Saint-Valentin en février dernier. Le Seigneur vous a dit au cœur, « L'amoureux, je t'appelle, je te choisis, je t'envoie. » Tous les évêques vous diront qu'une semaine avant que ce soit annoncé, parfois le temps est long, hein? On médite dans le silence, cet appel à aimer. « M'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu plus que ta propre vie? Acceptes-tu d'avancer au large? » Il est intéressant cet évangile que Mgr Claude a choisi, hein, qui nous touche tous. Et trois fois, Jésus interpelle. Interpelle celui qui a fait profession de foi au Fils du Dieu vivant, mais qui doit la vivre maintenant, cette profession de foi. Hein. À quel niveau d'amour veux-tu confesser ta confiance en moi? Ta confiance en moi à travers les baptisés? À travers la vie ecclésiale, la confiance n'est pas abstraite, à travers des collaborateurs, des prêtres. Jusqu'où es-tu prêt à quel niveau d'amour peux-tu engager pour que l'enthousiasme du premier appel devienne un enthousiasme non pas à la surface quand tout va bien, mais dans une profondeur de lien, de communion, continuer de se mouiller, être à la suite du Seigneur, faire surgir un peuple ardent à faire le bien, disait la deuxième parole. Ardent à aimer faire le bien et encourager, témoigner. Cette question nous ramène, bien sûr, à la question de notre baptême. Seigneur, es-tu le premier, as-tu la première place dans ma vie, le matin quand je me lève, le soir quand je me couche, à tout instant? Oui, le Seigneur invite Mgr Claude à lancer encore les filets. Peut-être qu'à cette époque-ci, il y a une part de filet qui nous semble un peu brisée. Il faut les réparer, les vrais pêcheurs, ils réparent toujours les filets. Ou bien, il y en a qui sont entortillés dans le filet, puis comme des baleines noires, là, puis on ne sait plus trop, hein, comment on s'en sort. Hein. Le filet lancé par le Seigneur à travers ses apôtres, les baptisés à travers l'Église, ne sont pas appelés à être des filets qui enferment et laissent dans la mort, mais qui font entrer dans une vie nouvelle. Et quand c'est un peu bloqué, bien, il faut être plusieurs à tirer les filets pour donner le goût de l'oxygène, un poisson qui arrive à l'oxygène, qui est l'amour, aimer comme le Seigneur. Jour après jour, aimer avec enthousiasme, à tout âge, même 90 ans. Il y en a quelques-uns ici, peut-être, sûrement. Le Seigneur est l'unique, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ton esprit, de ton prochain comme toi-même. Jésus-Christ a accompli ce schéma, cette parole de base, par la miséricorde. Et c'est là que la devise de Mgr Claude nous rejoint beaucoup, hein. Espérez ce bonheur par la miséricorde. Poussé par sa seule miséricorde. Pas juste un petit souffle, poussé. C'est un peu violent. Mais au fond, des fois, on a besoin d'être poussé, hein? Encouragé. Un enfant qui ne se décide pas à plonger dans l'eau, des fois, on dit, ben oui, les parents savent ça, hein?
C'est peut-être pas la pédagogie la plus douce, mais il faut un coup de pouce, une poussée. Votre diocèse, Monseigneur Pou, sera entraîné par cette devise hein, qui vous a gravé le cœur et qui est gravée sur vos armoiries que les gens vont découvrir. Lorsqu'on est évêque, on doit, dans la mesure du possible, un peu résumer ce qui est au cœur de notre histoire et en même temps de ce qui nous habite. Ce n'est pas un programme électoral, là, mais de ce qui nous habite dans notre histoire de foi et qui nous ramène à une expérience fondatrice de nos réponses au Seigneur. Ce n'est pas la première fois que Mgr Claude répond, mais là, c'est un appel à répondre à nouveau, dans une tâche et un ministère nouveau. Cette réponse qui passe toujours par une rencontre avec la gratuité du salut en Jésus, qui gratuitement offre cette voie de sanctification pour lui et pour le peuple de Dieu. Cette rencontre qui fait qu'on passe d'une nature orientée peut-être sur soi à une nouvelle nature, sur nos projets. Des fois, on projette que, bon, il me reste 3-4 ans, qu'est-ce que je vais faire? Sur notre place, nos réalisations, à une nouvelle nature du don de soi, de disponibilité, d'offrande, de nos projets, de découverte de la vraie belle place de service qui est la meilleure place. Quand Jésus a dit, je ne suis pas appelé à être servi, mais à servir. Servir Dieu à travers nos frères et sœurs. La plus belle posture, la posture du service. Et même quand c'est difficile, continuer mais avec l'aide de Dieu. À se faire petit pour que chacun soit élevé, relevé dans sa dignité et trouve de l'élan dans sa mission. Réaliser la volonté de Dieu est supposé de libérer notre propre volonté avec une disponibilité confiante. Combien de religieuses, de consacrées ici pourraient dire « J'ai été changé de place, j'ai été en Gaspésie, j'ai été en... » Mais j'étais disponible. Et ça arrive que même à cause du travail ou d'autres circonstances, des familles entières se rendent disponibles en disant « Seigneur, là, c'est difficile, partir, on a des liens, puis on va créer des nouveaux. » Parce que Dieu, toujours, quand il est là, il se crée des liens nouveaux, une ouverture nouvelle. C'est ça la merveille. « J'en ai la certitude, dit le Seigneur, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Donne-moi, Seigneur, de non seulement vouloir faire ta volonté, mais vouloir ce que tu fais. Non seulement faire ta volonté, vouloir faire ta volonté, on peut faire ça un peu par principe. J'ai fait mes prières, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, vouloir ce que tu fais, toi, dans les personnes, dans les circonstances, dans les défis qui sont nombreux. Vouloir ce que tu fais. Encore faut-il lui demander, donne-moi de voir ce que tu fais. Comment de le vouloir? Des fois, on ne le voit pas, puis les autres nous aident. Et le peuple de Dieu doit aider son évêque à voir qu'est-ce que le Seigneur fait et vers où aussi. Il nous guide. Lui qui est au cœur de cette communion, qui doit discerner. Seigneur, où es-tu? Comment agis-tu? Où nous précèdes-tu? Si on est les yeux braqués juste sur une affaire, on risque de manquer le bateau. Vous le rendez-vous? De voir, oh, il n'y a plus de monde à la messe. On se plaint tout le temps. Mais ceux qui sont là, ils sont où? Cette nature nouvelle nous fait porter du fruit à travers nos fragilités. Je me glorifierai de mes faiblesses, dira saint Paul, car lorsque je suis fragile, alors je suis fort. Croyez-vous ça, vous autres? Ça veut dire que si des journées, mon Seigneur se sent fragile, il pourra vous le dire. Et vous lui direz, là, tu vas être encore meilleur. Je me glorifierai de mes faiblesses. Cela n'annule pas les talents de service, les dons que mon Seigneur porte, mais permet de découvrir que Dieu a besoin du plus petit en nous et du plus petit qui est devant nous. C'est parfois lui qui libère un chemin de vie. Ça ressemble à l'Évangile, hein? Pour réaliser son règne de réconciliation,
où chacun fait grandir l'autre. Qui aujourd'hui ou cette semaine ou dans mon milieu me fait grandir? C'est peut-être la personne la plus fragile qu'on garde à la maison, puis qui transforme la manière d'être, moins centré sur soi, plus attentif. C'est peut-être cette période de maladie hein, qui nous fait réaliser qu'on n'a peut-être pas pris de temps toujours de présence les uns pour les autres. Voilà comment Dieu travaille. Gouverner, sanctifier, enseigner ces charges épiscopales seront exercées en collaboration, Monseigneur Claude, avec votre presbytérium, vous permettant de toucher le mystère de la croix. Parfois, c'est, l'autre est un peu une croix pour nous, là. C'est pas juste dans ce sens-là. Vous recevrez dans quelques instants les insignes épiscopaux. C'est quoi les insignes épiscopaux? L'anneau, la mitre, le bâton pastoral. Par votre onction, sous le livre des Écritures, vous remarquerez, hein, sous le livre des Écritures, je ne me souvenais pas de ça quand j'ai été ordonné, je l'ai vu sur la vidéo. Mais hier, à la pratique, j'ai dit, c'était-tu beau un peu, ce geste-là? Ça nous renouvelle comme évêque dans cette profondeur, être couvert par le Christ qui accomplit les Écritures. C'est lui hein, qui nous couvre de l'accomplissement de la volonté du Père. La croix reste quand même la base de notre vocation. C'est drôle que l'évêque ne reçoit pas une croix comme telle. Il s'en achète là, parce que l'évêque doit porter la croix. Là. Mais il ne reçoit pas dans la célébration. Parce que c'est ce que nous avons reçu, c'est la clé que nous avons reçue au jour de notre baptême. Et puis on est toujours des baptisés comme évêques à la base. Appelés, aimés infiniment et au nom de cet amour envoyés. Tous les baptisés. L'anneau, la mitre et le bâton pastoral doivent être portés avec miséricorde pour que ces insignes soient vraiment inscrits dans une façon d'être et d'exercer la mission du bon pasteur qu'est Jésus, pour qu'ils ne deviennent pas des signes de privilège ou des objets qui font prendre une distance face aux autres. Ce sont des insignes qui renvoient au Christ qui s'est allié à notre humanité. Et l'anneau signifie une alliance vivante, une alliance du Seigneur avec le peuple de Dieu en Gaspésie, les îles. Une alliance avec cette histoire pour en faire une histoire sainte, où l'Esprit Saint nous fait jaillir toutes sortes de beaux fruits, hein, toutes sortes de poissons, toutes sortes de merveilles dans les cœurs, puis à travers les personnes. J'ai le goût de dire à Monseigneur Claude, n'oubliez pas le premier insigne qu'est la croix, qui unit toujours la mission et la conversion, la disponibilité à changer et à voir l'autre qui change. La conversion au Seigneur, c'est lui qui nous guide. La mission est une constante conversion, en écoutant la parole, en priant souvent, en se laissant déranger par les autres. Ça aussi, c'est une source de conversion. C'est bien beau d'être félicité, ça nous fait du bien, mais aussi être exhorté et être dérangé, ça aussi, ça unit la mission dans une dynamique de croissance, et non pas de complaisance qui, à la fin, fait que, comme Église, eh bien, on perd le sel de l'Évangile, on perd la force de la vérité de l'Évangile qui nous pousse toujours plus loin dans notre fidélité à ce message qui fait goûter la vie éternelle, mais aussi qui fait goûter la communion fraternelle. La communion fraternelle. Nous sommes en période de synode, sur la synodalité avec l'Église universelle.
quelle sorte, comment on vit entre nous, comment on marche ensemble, quelle sorte de relation on a. Parce que aujourd'hui, fondamentalement, l'Évangile, la bonne nouvelle qui fait que Mgr Claude a accepté de servir, c'est la rencontre d'une personne concrète et c'est la rencontre, la relation avec nos frères et sœurs. L'Évangile, ce n'est pas une question de gros contenu, là. C'est une question que le Christ est venu ouvrir, ce qui donne la vie, une relation saine avec Dieu et avec les autres. On part avec ça, c'est un bon programme. Hein? En Gaspésie, donc, le bâton devient un mât qui porte les voiles et fait avancer avec l'Église universelle, avec toute l'Église. Quand on est ici, on est en lien avec toutes les communautés chrétiennes du monde. Dans cette direction de vie, vers le rivage de la foi, de la vie définitive, avec la force du vent, de l'espérance, mais aussi avec la proximité de la charité. La proximité de la charité. Monseigneur, vous recevrez donc les insignes du capitaine dans la foi, unis à tout un bel équipage, et on en a quelques-uns ici, hein, même plusieurs qui sont déjà là, mais en n'oubliant pas les équipages que vous avez laissés à Saint-Hyacinthe et qui continueront de prier pour vous, puis de faire le tour de la Gaspésie pour vous visiter. Prendre un peu large, hein? C'est pas loin, Saint-Hyacinthe et Gaspé. Que cette belle aventure avec l'affection du Collège des évêques dont nous avons besoin et dont le Saint-Père est l'évêque premier continue de tisser ce filet où tout le monde soit repêché pour entrer dans la vie, pleinement dans la vie. Car toute personne est chercheuse de sens un jour ou l'autre, de bonté, d'horizon plus large. Oui, ton bâton me guide et me rassure, dit le psaume 23. Grâce et bonheur, Mgr Claude vous accompagne tous les jours de votre ministère. Amen. Now the rites of episcopal ordination begin. After singing to implore the assistance of the Holy Spirit, the ordinand will affirm his commitment to maintain the faith and fulfill the duties of his office. While the ordinand will be prostrated, we will stand, since we are in Easter time, to pray by singing the litanies of the saints. Then will follow the laying on of hands by the bishops, then the prayer of ordination. À présent, commencent les rites de l'ordination épiscopale. Après le chant pour implorer l'assistance de l'Esprit-Saint, l'ordinant va affirmer son engagement à maintenir la foi et à s'acquitter des devoirs de sa charge. Tandis que l'ordinant sera prosterné, nous nous mettrons debout, puisque nous sommes en temps pascal, pour prier en chantant les litanies des saints. Suivra alors l'imposition des mains par les évêques, puis la prière d'ordination.
C'est la règle très ancienne de l'Église qu'en présence du peuple de Dieu, il soit demandé à celui qui va devenir évêque qu'il s'engage à maintenir la foi et à s'acquitter des devoirs de sa charge. Frères bien-aimés, acceptez-vous la charge qui nous est confiée, que nous ont confiée, pardon, les apôtres, et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains. Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu, et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Monseigneur Claude, voulez-vous annoncer l'Évangile du Christ avec joie, fidélité et sans relâche? Oui, je le veux. Voulez-vous garder dans sa pureté et son intégrité le beau dépôt de la foi selon la tradition reçue des apôtres, toujours et partout tenue dans l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous travailler à la construction du corps du Christ qui est l'Église et demeurer dans son unité avec tout l'ordre des évêques sous l'autorité du successeur de Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous obéir fidèlement au successeur de Pierre? Oui, je le veux. Monseigneur, voulez-vous, avec les prêtres et les diacres, les collaborateurs de votre ministère, prendre soin comme un père du saint peuple de Dieu et le diriger sur le chemin du salut? Oui, je le veux. Monseigneur, voulez-vous d'un cœur plein de bonté et de miséricorde, comme le dit si bien la devise que vous avez cherchée, trouvée, accueillir au nom du Seigneur les pauvres, les étrangers, tous ceux qui sont dans le besoin? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme un bon pasteur, partir à la recherche des brebis qui, d'une façon ou de l'autre, peuvent être égarés pour les rassembler dans le bercail du Seigneur? Oui, je le veux. Monseigneur, voulez-vous intercéder sans relâche auprès du peuple de Dieu pour le peuple saint et remplir de façon irréprochable la fonction de grand prêtre et de pasteur? Oui, je le veux, avec la grâce du Seigneur. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Pour notre frère, Monseigneur Claude, qui a été choisi. Prions maintenant avec tous les saints et saintes du ciel, le Seigneur notre Dieu, dans sa bonté pour le bien de son Église, qu'il lui donne l'abondance de sa grâce. Thank you.
Accueille, Seigneur, les supplications de ton Église pour celui à qui nous allons imposer les mains. Répands sur lui ta bénédiction toute-puissante par Jésus le Christ, notre Seigneur. Thank you.
Dieu et Père de Jésus-Christ notre Seigneur, Père plein de tendresse, Dieu de qui vient tout réconfort, toi qui es au plus haut des cieux, qui regardes les plus humbles, toi qui connais toutes choses avant même qu'elles soient, tout au long de l'Alliance ancienne, tu commençais à donner forme à ton Église par ta parole de grâce. Dès l'origine, tu as destiné le peuple issu d'Abraham à devenir un peuple saint. Tu as institué des chefs et des prêtres et toujours pourvu au service de ton sanctuaire, car depuis la création du monde, tu veux trouver ta gloire dans les hommes que tu choisis. Et maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi la force qui vient de toi, l'esprit souverain que tu as donné à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, l'esprit qu'il a lui-même communiqué aux saints apôtres, qui établirent l'Église en chaque lieu comme ton sanctuaire à la louange incessante et à la gloire de ton nom. Père, toi qui connais le cœur de chacun, donne à celui que tu as choisi pour l'épiscopat de remplir sans défaillance la fonction de grand prêtre et de pasteur de ton peuple saint, en te servant jour et nuit. Qu'il s'emploie sans relâche à intercéder auprès de toi et à te présenter l'offrande de ton Église. Accorde-lui par la force de l'Esprit qui donne le sacerdoce le pouvoir de remettre les péchés ainsi que tu l'as commandé. Qu'il répartisse les ministères comme tu l'as disposé toi-même et qu'il délie de tout lien avec l'autorité que tu as confiée aux apôtres. Que sa bonté et la pureté de son cœur fassent de sa vie un sacrifice qui te plaise. Par ton Fils Jésus-Christ, par qui te sont rendus à toi, notre Père, la gloire, l'honneur et la puissance, avec l'Esprit Saint, dans la Sainte Église, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Monseigneur Claude Lamoureux est désormais évêque. Quelques rites vont suivre, à savoir l'onction du Saint-Crème, la remise du livre des Évangiles, la remise de l'anneau, la remise de la mitre, la remise du bâton pastoral. Dieu vous a lui-même associé au Christ souverain prêtre, qu'il vous pénètre de sa grâce comme d'une onction spirituelle et rende fécond votre ministère par la bénédiction de l'Esprit Saint.
Recevez l'Évangile. Prêchez la parole de Dieu avec une grande patience et le souci d'instruire. Reçoit l'anneau de Michel Lamoureux, frère de Monseigneur Claude Lamoureux, et de Cynthia Chicoine, sa filleule, et le passe à l'annulaire de la main droite de l'ordonné. Remis au nouvel évêque par son consécrateur principal, l'anneau épiscopal est porté à l'annulaire de la main droite par les évêques pour signifier la fidélité de l'évêque à l'Église du Christ, de même que la fidélité de Dieu à son peuple. L'anneau rappelle aussi que l'évêque a épousé mystiquement l'Église de Dieu elle-même, où qu'elle se trouve. The episcopal ring is worn on the ring finger of the right hand by bishops to signify the bishop's fidelity to the Church of Christ, as well as God's fidelity to his people. The ring also recalls that the bishop mystically married the Church of God itself, wherever it is found. Recevez cet anneau, signe de fidélité. Gardez Monseigneur Claude dans la pureté de la foi, l'épouse de Dieu, la Sainte Église. L'évêque célébrant principal reçoit la mitre des mains de Juliette et Jean-Denis Gagné, amis de Monseigneur Claude Lamoureux et représentant leur famille. La mitre est un couvre-chef liturgique de forme triangulaire qui est réservé aux évêques et abbés des monastères. Sa forme rappelle l'un des rites de l'ordination de l'évêque, durant lequel un livre d'évangile ouvert est placé au-dessus de la tête du nouvel évêque. Ainsi, la mitre symbolise l'enseignement et l'explication de la parole de Dieu, évoquant le fait que l'évêque doit partager la prédication du Christ. Les deux pans à l'arrière de la mitre suggèrent symboliquement l'Ancien et le Nouveau Testament dont l'évêque partage la connaissance. Seigneur Claude, recevez la mitre, que brille en vous l'éclat de la sainteté, pour que vous puissiez recevoir l'impérissable couronne de gloire lorsque paraîtra le chef des pasteurs. Reçoit le bâton pastoral des mains de Luc Lemieux, accompagné de l'abbé Danick Savaria, son curé. Luc Lemieux est un laïc dévoué au service des évêques. Rappelant l'image emblématique du berger, le bâton pastoral appartient à celui qui dirige, conseille et conduit le peuple des fidèles. Ce bâton est l'insigne du rôle de pasteur qu'exercent les évêques auprès du peuple chrétien qui leur est confié. Bâton de celui qui dirige, conseille et secourt, houlette du bon pasteur, marchant à la tête du troupeau des fidèles. Le bâton pastoral est solide pour soutenir les faibles et recourbé pour rattraper ceux qui s'égarent. Monseigneur Claude, recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur, dans lequel l'Esprit Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu. À présent, Monseigneur Denis Grondin, archevêque de Rimouski, Monseigneur Christian Rodembourg, évêque de Saint-Hyacinthe, et Mgr Gaëtan Proux, désormais évêque émérite de Gaspé, vont inviter le nouvel évêque de Gaspé
à s'asseoir sur la cathèdre. La cathèdre est le siège épiscopal, le fauteuil à partir duquel l'évêque préside l'assemblée liturgique. Le siège de l'évêque est le symbole de son autorité de docteur. C'est normalement de sa cathèdre qu'il doit s'adresser à son peuple. Now the Most Reverend Denis Grondin, Archbishop of Rimouski, the Most Reverend Christian Rodembourg, Bishop of St. Hyacinthe, Reverend Gaëtan Proulx, now Bishop Emeritus of Gaspé, will invite the new Bishop of Gaspé to sit on the cathedra. The cathedra is the episcopal see, the chair from which the bishop presides over the liturgical assembly. The seat of the bishop is the symbol of his authority as a doctor. It is normally from his cathedra that he must address his people. Le baiser fraternel que l'ordonné reçoit de tous les évêques est comme le sceau apposé à sa réception dans le collège des évêques. Continue la présidence de la célébration eucharistique. From this moment on, Bishop Claude Lamoureux will preside over the Eucharistic celebration. Avant de passer à la liturgie eucharistique, c'est le moment des offrandes et les chevaliers de colombe de la paroisse vont passer pour que vous puissiez faire vos dons pour la louange de Dieu et pour les biens de cette cathédrale qui nous accueille. Merci de votre générosité. Thank you.
Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père de toute bonté, pour que nous soyons plus aptes à te servir, nous t'offrons le sacrifice de louange et nous te prions. La charge que tu nous as confiée sans mérite de notre part, mène-la dans ta bonté inépuisable à son accomplissement. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Père très saint, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais sa louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme et la femme à ton image et tu leur as confié l'univers afin qu'en te servant toi seul, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde inépuisable, tu es venu en aide à tous les êtres humains pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Père très saint, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, Père très saint, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification.
Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'Alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, Jésus prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Therefore, O Lord, as we now celebrate the memorial of our redemption, we remember Christ's death and his descent to the dead. We proclaim his resurrection and his ascension to your right hand. And as we await his coming in glory, we offer you his body and blood, the sacrifice acceptable to you, which brings salvation to the whole world. Look, O Lord, upon the sacrifice which you yourself have provided for your church, and grant in your loving kindness to all who partake of this one bread and one chalice, that gathered into one body by the Holy Spirit, they may truly become a living sacrifice in Christ to praise of your glory. Maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François. Moi-même, ton humble serviteur, Monseigneur Claude, que tu as voulu choisir aujourd'hui pour le service de ton peuple, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres. Rappelle-toi tous les fidèles qui te présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Remember also those who have died in the peace of your Christ and all the dead, whose fate you alone are known. To all of us, your children, grant, merciful Father, that we may enter into a heavenly inheritance with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, and with all your apostles and saints in your kingdom. There, with the whole of creation, freed from the corruption of sin and death, we may glorify you through Christ our Lord, through whom you bestow on the world of that is good. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous l'avons chanté à plusieurs reprises pendant le psaume. Notre Père céleste s'est révélé comme un être de miséricorde inépuisable, supprimant tout obstacle qui pourrait ultimement nous empêcher d'entrer en communion intime avec lui. Parce que nous sommes ses fils et filles bien-aimés. Et c'est pourquoi, avec ferveur, nous reprenons ensemble cette prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Oui, chers amis, dans le Christ Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
toujours la prière, l'action de grâce. Avec vous, mon Seigneur l'amoureux, nous chantons un chant dans notre langue maternelle vietnamienne. Et le chant signifie ceci. C'est toi, Seigneur, qui m'as façonné les reins. Dès mes premiers pas, ta main me saisit par la douceur de ma mère, qui m'a élevée avec un amour infini. Puis, au fil des années, j'ai quitté le berceau familial, volé par mes propres ailes. Ton regard ne m'a jamais quitté. Je t'ai rencontré, je me suis laissée attirer par toi. Tu m'as invité à me consacrer à toi et j'ai fait la première alliance avec toi. Je m'en souviens à jamais. Ton amour m'étreint jour et nuit. Tu as gravé dans mon âme un amour indélébile. À ce jour, Seigneur, tu rassures toujours mes pas pour que je vienne embrasser ta grâce et aussi ta croix. Je veux être à toi, car tu es toujours mon héritage éternel. Je chante pour toi, mon Seigneur, mes hymnes d'action de grâce, avec un cœur débordé de joie et de gratitude. Ngài đã cho con
prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous ce que tu nous accordais, ce que tu accordais aux premiers chrétiens. Garde-nous fidèles à l'enseignement des apôtres. Donne-nous de pouvoir toujours nous rassembler dans la joie et la simplicité du cœur. Pour la prière, la fraction du pain, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Très respectueusement Son Excellence Monseigneur Ivan Jurkovic, nonce apostolique au Canada, à venir nous adresser la parole. Notre Église, chers frères et sœurs dans le Christ. Permettez-moi tout d'abord de vous faire part de l'affection paternelle de Sa Sainteté le Pape François pour l'Église du diocèse de Gaspé et de vous assurer que malgré la distance géographique qui nous sépare de Rome, il est bien, bel et bien présent de cœur et d'esprit à cette célébration. Le diocèse de Gaspé jouit d'une place enviable dans l'histoire de l'Église en Amérique du Nord, puisque c'est à l'intérieur de ses frontières que Jacques Ratier y érigera en 1534 une croix de 30 pieds de rond. Je mentionne ce fait parce qu'il met en relief l'ampleur de devoirs et de responsabilités qui incombe l'évêque de ce diocèse. À cet égard, je tiens à remercier Monseigneur Gaëtan Proum, qui a su s'acquitter honorablement de ses tâches au cours de ces dernières années. Cher Monseigneur, au nom du Pape François, je tiens à vous remercier pour l'immense travail que vous avez accompli comme évêque de Gaspé. Dans une conjoncture économique et sociale en perpétuel changement, vous avez su guider le peuple de Dieu Gaspésie en lui rappelant sans cesse les valeurs de l'Évangile qui, elle, ne change jamais. Je suis convaincu que tous les catholiques de ce diocèse vous sont reconnaissants de leur avoir procuré la nourriture spirituelle dont ils ne sauraient se passer. Le dévouement dont vous avez fait preuve dans l'exercice de vos fonctions épiscopales a été vivement apprécié tant par les âmes dont vous aviez la charge que par les autorités qui vous ont le confié. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour célébrer la messe d'ordination épiscopale de Monseigneur Claude Lamoureux, appelé à succéder à Montprou. Sans doute, convient-il de rappeler ici que selon la constitution de l'Église Lumen Gentium, Legere Christus Dominus, les évêques ont triple fonction enseignée, sanctifier et gouverner. De ces trois fonctions, celle d'enseignement, c'est-à-dire la prédication de l'Évangile, est la plus importante. En effet, affirme Lumen Gentium, pourvu de l'autorité du Christ, l'évêque sont chargés de prêcher aux fidèles la foi qui doit régler leurs pensées et leurs conduites, faisant rayonner cette foi sous la lumière de l'Esprit-Saint, dégageant du trésor de la révélation le neuf et la sienne, faisant fructifier la foi, attentif à écarter toutes les erreurs qui menacent leur troupeau. À cette fonction d'enseignement correspond le devoir des fidèles
de s'attacher à la pensée que leurs évêques expriment. En nom du Christ, en manière de la foi et de la mort, et ils doivent lui donner le sentiment religieux de leur esprit. En deuxième lieu, les évêques communiquent aux croyants en vue de leur salut la vertu de Dieu et par les sacrements dont ils organisent par leur autorité la distribution régulière et féconde, ils sanctifient les fidèles. Cette fonction de sanctification consiste essentiellement à réguler la célébration des sacrements, et notamment ceux de la confirmation et de l'ordre dont ils sont les ministres ordinaires. Pour ce qui est de leur fonction de gouvernement, le document conciliaire précise que l'on ne doit pas considérer les évêques comme les vicaires des pontifes romains, puisqu'ils exercent un pouvoir qui leur est propre et qu'ils sont pour le peuple qu'ils dirigent les chefs. Il mentionne par ailleurs que cette fonction de gouvernement doit s'exercer dans l'esprit de service. L'évêque doit garder devant ses yeux l'exemple de bon pasteur venu, non pas pour se faire servir, mais servir et donner sa vie pour les brebis. Voilà donc, cher Monseigneur Lemoureux, les trois grandes fonctions que l'Église vous confie et qu'on confie à tous les évêques du monde pour la diocèse de Gaspé. Puissiez-vous les exercer avec la ferveur manifestée par la Vierge Marie lorsqu'elle a déclaré « Qu'il me soit fait selon votre volonté ». Merci. Et maintenant, je voudrais inviter notre nouvel évêque, Son Excellence Monseigneur Claude Lamoureux, à venir nous adresser la parole. Bonsoir. Récemment, je rencontrais un des prêtres de Gaspé, pour ne pas le nommer Ramiro, qui disait toujours, lorsqu'il commençait ses rencontres avec les gens, « Ça va bien? » Écoutez, le Seigneur, à un moment donné, lorsqu'il a rencontré ses disciples, ses apôtres, à un moment donné, il leur a dit « Je veux vous appeler mes amis. » Bien, c'est ainsi que je veux commencer ce mot à votre endroit, amis très chers. Depuis ma nomination comme évêque de Gaspé et des îles de la Madeleine, une pensée phare s'est imposée à moi. Un peu à la manière des phares qui guident les pêcheurs à s'orienter sur les vastes étendues d'eau. Seule la miséricorde de Dieu peut vraiment renouveler nos vies et nous permettre à nous tous d'accueillir la vie en abondance promise par le Seigneur. Me référant à une magnifique page de la lettre de saint Paul à Tite, cette pensée phare, comme vous avez pu le constater, a donné naissance à ma devise épiscopale. Comment ne pas être touché par la confiance manifestée par le Saint-Père qui m'a nommé évêque de Gaspé et des îles de la Madeleine? Je tiens à nouveau à exprimer au Saint-Père ma vive gratitude. La présence très appréciée en notre belle cathédrale du Christ-Roi de Son Excellence, Mgr Ivan Iwatkovitch, nonce apostolique du Canada, permettra, j'en suis sûr et certain,
de transmettre à nouveau au pape François mes sentiments sincères de reconnaissance. M'inspirant du proverbe africain bien connu qui affirme qu'il faut un village pour élever un enfant, j'ai la conviction profonde, avec le recul, que ma préparation comme évêque s'est faite grâce à plusieurs personnes qui me sont très chères et qui sont beaucoup ici présents cet après-midi. Merci. Mais aussi à un nombre impressionnant de communautés chrétiennes qu'il m'a été donné de servir, à des diocèses, particulièrement le diocèse de Saint-Hyacinthe et maintenant le diocèse de Gaspé, et à travers une multitude de rencontres remplies d'enthousiasme et aussi très enrichissantes. Lorsque j'ai réalisé que je devenais le 10e évêque de Gaspé et des îles de la Madeleine, un souvenir s'est imposé à moi, à savoir une fausse manœuvre de ma part qui a eu pour conséquence de me priver de l'utilisation d'un de mes doigts. C'est souvent lorsqu'on est privé de quelque chose qu'on prend conscience de toute son importance. Et cette privation suscite en nous le désir de le retrouver. En ce sens, je voudrais tellement que mon service épiscopal lance comme message au sein de toutes les personnes, sans exception, ont leur place dans l'Église. La réalisation harmonieuse de la mission de l'Église appelle cette recherche constante de l'intégration de tous, tout comme prend sens l'illustration symbolique de ce recours à l'utilisation de nos 10 doigts qui est tellement précieux lorsqu'on veut agir avec harmonie. Je souhaite à nous tous qui sommes des habitués à expérimenter les effets des vents puissants et parfois contraires, particulièrement aux îles de la Madeleine. Et ici aussi, je l'ai expérimenté davantage à Saint-Anne-des-Monts, dans le nord de la Gaspésie, et à donner suite avec enthousiasme à l'invitation du pape François à participer au synode sur la synodalité, nous invitant à dresser largement les voiles de nos âmes au souffle puissant de l'Esprit, afin de renouveler nos vies personnelles et la vie de nos communautés de foi. Autant les panoramas spectaculaires de la Gaspésie et des îles de la Madeleine ravissent nos yeux et parviennent à conquérir instantanément nos cœurs, autant le témoignage de votre amitié, de votre foi, m'émerveille et m'entraîne à louer le Seigneur pour ses merveilles. Merci d'être ses témoins. Amis très chers, la présence fraternelle de vous tous, diocésaines, diocésains, frères et sœurs des communautés autochtones, amis, diacres et leur épouse, prêtres, évêques, membres de ma famille, votre présence m'est tellement source d'un grand réconfort en ce moment. Merci du fond du cœur d'être ces compagnons et ces compagnes qui m'accompagnent sur la route de la vie et qui nous permettent de vivre à nous tous ce grand projet de fraternité humaine que le Seigneur nous propose d'expérimenter à sa suite selon son esprit. Un grand merci à toutes les personnes du diocèse de Gaspé et des îles de la Madeleine qui ont contribué à préparer, à organiser et à célébrer cet important événement ecclésial que vous avez sans doute apprécié.
Un merci spécial à Mgr Gaétan Proulx et l'équipe diocésaine pour votre accompagnement fraternel au cours des dernières semaines. Merci, Mgr Proulx, et toute l'équipe diocésaine. Merci également à Mgr Christian Rodambourg et son équipe rapprochée pour le magnifique support que vous m'avez accordé et qui fait en sorte que des centaines de personnes de la région du diocèse de Saint-Hyacinthe sont parmi nous. Merci, Mgr Rodambourg. Merci à Mgr Denis Grondin d'avoir accepté d'être le consécrateur principal de mon ordination épiscopale en tant qu'archevêque de Rimouski et de la province ecclésiastique dont fait partie Gaspé. Merci, Mgr Grondin. Comme mon service épiscopal l'exige, je voudrais dès ce soir reconduire tous les mandats légitimement émis par mes prédécesseurs et qui sont toujours en vigueur dans le diocèse de Gaspé, et ce jusqu'aux prochaines nominations ou encore jusqu'à ce qu'ils nous soient pourvus autrement. Enfin, merci à l'avance. Et vous savez, ce n'est pas juste un slogan ou encore un vœu pieux qu'on peut exprimer, mais merci d'avance, ami très cher, de me faire un immense privilège de compter et de pouvoir compter sur vos prières. Merci. Bonne fin de journée. Pendant que nous chantons le Magnificat, Monseigneur Lamoureux va circuler dans l'église et bénir l'assemblée. While we sing the Magnificat, Bishop Lamoureux will walk through the church and bless the assembly.